Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 7 de la carrière avec Al-Nassr. Et oui les gars, on est là pour la demi-finale face à Al-Hilal, le club de Neymar qu'on retrouve. Gros derby pour cette demi-finale de Ligue des Champions. C'était quitté ici. Entre temps, il y a eu du championnat, il y a eu une demi-finale de King Cup qu'on a gagné. Donc on est en finale. Et les amis, on est double champion d'Arabie Saoudite. Double champion d'Arabie Saoudite, ça fait plaisir. Et même notre réserve ont été champions. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut voir ça, compétition. Même notre réserve a remporté le titre. Donc, le club est en évolution totale. Et ça, ça fait plaisir, bien sûr. Mais voilà, on est concentré maintenant sur une Ligue des Champions. On approche, c'est l'avant-dernier épisode. On a une demi-finale face au club d'Al-Hilal. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on est champion, on pourra faire tourner, on pourra aligner des équipes B pour être frais. Donc on peut faire le triplé. On peut faire le triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions. Franchement, ça serait historique. Ça serait historique. Donc on est parti, je viens de faire l'équipe qui sera alignée. Donc Sultan, Amri, Al-Khidi, Laporte, Awazawi, Al-Swaim, Sami, Nagé, Brozovic, Yaya, Ronaldo, Talisca et Seco sur le banc. Voilà, l'équipe elle est faite. Ils sont bien chauds, ils sont bien chauds. J'ai pu faire tourner, hein. Même avec l'équipe BIS, on a gagné le match et on a été sacré champion avec vraiment tous les remplaçants au dernier match. Allez, hein, c'est un gros match. Aujourd'hui, c'est un gros match. Premier match à aller chez nous. Il faut les dévorer. Il faut les dévorer. Bien sûr, consigne particulière parce qu'il y a Neymar. Il y a Milinkovic-Savic. Il y a Ruben Neves. Il y a Tanguy Nianzou, pardon. Et Koulibaly. Donc, ils ont quand même des petits joueurs. Par contre, sur le banc, voilà, hein, il faut qu'ils respectent. Il faut qu'ils respectent aussi, comme nous, la restriction des étrangers. Donc, on va mettre ça. On va mettre juste, voilà, toujours. Et donc, on est parti, hein, pour ce match aller, en espérant, à la fin de cet épisode, se qualifier pour une finale. Une finale de Ligue des Champions. Alors, on a déjà gagné la Ligue des Champions européenne. Maintenant, ça serait incroyable. Je n'ai jamais gagné autre que la Ligue des Champions. Alors, sur FM... Sur FM 20 ? Non. Là, on est sur FM 23. Là, on a gagné avec Tottenham. FM 22, on a gagné la Ligue des Champions avec la Juve. Sur FM 21, avec Dortmund. Sur le FM 20, les amis, j'avais fait... J'étais parti à Boca Juniors. Et on a été arrivé deux fois en Libertadores. On a perdu les deux finales. Donc, je sais que gagner la Ligue des Champions européenne. Donc, il y a une première fois pour tout, j'ai envie de te dire. Et franchement, gagner la Ligue des Champions Asie, ça serait un beau trophée à se mettre sous le palmarès. Oh là 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 là, grosse case là, en ce début de match. Allez, Yaya, Ronaldo. Ronaldo Awazawi, Yaya. Yaya qui fait partie des favoris pour le trophée du jeune, de meilleur joueur du championnat. Yaya, notre ailier gauche. On domine. 60% de possession du ballon. Pour l'instant, on n'a pas trop vu Al-Hilal. Hein. Allez, la porte de la tête. Voilà, Sultan. Talisca qui va chercher Ronaldo. Peut-être Ronaldo. Oh, oh là là, dans les tribunes, mon gars. Faut pas accuser la pression là comme ça, Cristiano là. Ouais, j'ai vu aujourd'hui sur Twitter que Cristiano avait l'intention, oh là là, de jouer jusqu'à 42 ans. Incroyable. 42 ans. Putain. Bon, je vois qu'on a des petites occasions, mais pour l'instant, rien de concret, hein, finalement. Sami qui va décaler Yaya. Yaya qui va aller travailler. Il va adresser un centre au Ben Neves de la tête. Sultan, le contrôle est bon. Il va. Oh là 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 là. Allez les gars, allez. Brozovic, Talisca. Oh, mais c'est trop aussi. Wesh, poteau, barre. Par contre, on est très très bon défensivement parce qu'on les voit pas alignés de passe. Hein. Allez, la porte.
Al-Ouazaoui pour Yaya. Yaya, le centre. C'est maintenant? Ouais, 7 tirs, 4 cadrés. Écoute, on est derrière vous, les gars. Hein. Allez, les gars, faut y croire, hein, ce but. Hein. Je sais que le premier est toujours assez compliqué à mettre, mais quand même. Nianzou, par-dessus. Amri, Talisca, Azmi. Oh, bien, Yaya pour Cristiano. Cristiano, bon, on sait qu'il a plus de vitesse. Sami, Brozovic, Talisca, qui fait la différence pour Yaya. Yaya, dans la surface, qui va centrer. Ah, oh, c'est capté. On récupère tous les ballons. Allez. La porte. Aouzaoui, Brozovic, le 1-2, magnifique. Oh oui. Putain, ils viennent clairement chercher le nul, cette équipe. Hein. Fofana, Al-Swaim, Brozovic. Brozovic qui écarte sur Sultan. Sultan qui va trouver Talisca. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça, gros. C'est trop. C'est trop. Me dites pas qu'ils vont y aller une fois. Ok, je crois que j'ai une idée. Talisca en numéro 10. Et Neymar qui rentre, l'homme en forme. Neymar qui rentre. Allez, je crois en toi, Neymar. Je crois en toi, Neymar. Lui qui a mis un doublé, hein, le dernier match. Il est en forme. Ronaldo qui récupère ce ballon. Azaoui, Fofana, Ronaldo, Al-Swaim, Talisca. Pourquoi tu t'enflammes, Talisca? Neymar. Fofana de la tête. Koulibaly qui va dégager. Laporte qui va pouvoir, voilà, calmer le jeu. Amri, Prozovic, Talisca, Al-Nemer, taclé. Mais il arrive à trouver Sultan. Sultan, le centre pour Christian. Mais gros, il n'y a rien qui. Passer en relance rapide. On est cuit, hein, physiquement, on est cuit. Aouzaoui, il est cuit. Putain. Au moins un but, les gars. Au moins un but. Talisca. Talisca. Oh, il a vu Neymar. Cristiano. Cristiano. Oh, qui repasse derrière. Al-Swaim. Aouzaoui. Aouzaoui. Il n'y a pas pénalty. Oh, c'est trop. Oh, sérieux qu'on va faire match nul. On va faire match nul. Hein. On est mal barré, les amis. Hein. On est mal barré pour le match retour. Hein. Ouais, un match nul, dur à avaler. Hein. Falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux et. Oh là 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 là. Occasion ratée pour Al-Nassr. Au moins, on a, bon, au moins on peut faire tourner. Je pense pas qu'eux ils puissent faire tourner parce qu'ils sont, ils sont mal positionnés. Il ne manquait que la finition. Vous devez bien mettre que la grosse prestation de du gardien, j'avoue, il n'a pas été mauvais. Hein. Oui, absolument. Je suis satisfait. C'est notre intention. Du coup, calendrier. Donc là, on va faire bien évidemment tourner Al Hilal. Al Hilal qui, ouais, ils sont huitièmes, ils sont obligés de gagner tous leurs matchs s'ils veulent espérer une quatrième place. Hein. Ouais, deux salles, deux ambiances. Hein. Bon, on va avancer, les amis. On se retrouve pour le match retour face à Al Hilal. Mais c'est mal parti. C'est très mal parti. Bon, j'avance. Ok, les amis, on y est pour le match retour face à Al Hilal. Oui, on a fait 0-0. Oui, ça a été compliqué, on n'a pas réussi à marquer, mais là c'est un autre match, c'est un autre match, on sait que ça va être chez eux. J'ai pu faire tourner, on a pu gagner, eux je sais pas. J'ai fait l'équipe, il y a juste, j'ai un doute sur où je mets Balogun Ronaldo en pointe, et donc je sacrifie Brozovic. Soit on repart sur un 4-3-3, mais j'ai envie de dire que j'ai envie de jouer l'attaque là. J'ai envie de jouer Ronaldo, Balogun, Talisca, Fofana. Je pense que ça a de la gueule quand même et c'est ce qu'on va faire. On va mettre quand même un attaquant sur le banc. Et on est parti. De toute façon, on a des milieux de terrain sur le banc, des milieux de terrain saoudiens, donc je pense que ça peut le faire.
Ah, le match piège, là. Tu le sens venir, le match piège. Ah, j'espère que... Allez, les points serrés. Allez, je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Consigne particulière, Neymar. Ouais, je pense qu'il a pu faire tourner quand même, hein. Vu la fraîcheur ici verte, il a dû faire tourner. Ouais, il y a très peu de fatigue en face. Bon, ils ont fait tourner, j'ai vu qu'ils ont perdu, donc à mon avis, oui, ils ont dû faire tourner. Ils ont perdu 1-0. Allez, il faut y croire, hein. Ils ont changé, ils jouaient. Avant, ils jouaient avec 5 def, et là, ils jouent avec un 4-2-3-1. Bon, allez, on est parti pour ce match retour. À l'issue de ce match, il y aura un finaliste. Il y aura un finaliste saoudien. En espérant que ce soit nous, bordel. En espérant que ce soit nous. Aïe, 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 aïe. Ouais, on a eu du mal à marquer. Enfin, on n'a même pas marqué. Hein. 0-0. Un pauvre 0-0. Qui fait les affaires de cette équipe d'Al Hilal. Mais bon, on va essayer de tout faire pour aller marquer ce but. Balogun, lancé, Balogun, le centre. Oui! Voilà! 40e but! 40e but de Cristiano Ronaldo. Oui, monsieur! Ça commence sur les chapeaux de roue. Magnifique. On pouvait pas mieux commencer là. Allez, Talisca, peut-être. Il va tenter la frappe, non, il va tempo, non, il va y aller, il va dribbler, Talisca dans la surface, Talisca qui va tenter le centre, il est contré, ça va être dégagé, récupéré par Al-Swaim, Sultan, il va y aller, Sultan, il va pas se gêner, Sultan, il a Samy, le 1-2, ça fonctionne, côté droit, le centre. Je savais qu'il y avait hors-jeu. Ouais, on avait eu déjà deux matchs, deux buts hors-jeu au match aller. Ça, c'est le premier. En tout cas, on est très très bien rentré dans le match. On met la pression. Ouais, le 4-4 de diamant qui fonctionne là. Au match retour, Balogun. Peut-être aussi le fait que Balogun soit là à apporter de la profondeur, de la vitesse. Parce que c'est vrai que 4-3-3 avec un Cristiano solo en attaque, c'est pas la même. Hein. C'est vrai que là, au moins, il y a Balogun qui peut aller décrocher sur le flanc. Sur le flanc droit. Allez, Neymar, attention à Neymar. Neymar qui trouve Ruben Neves. Le centre est capté par Laporte. Les stats parlent d'eux-mêmes. En termes de tirs, 6 tirs, 5 cadrés. Par contre, c'est 50-50 en possession du ballon. Salement. Allez, faut pas décrocher. Hein. Il faut essayer de rester sur le même rythme. Bien défendre. Oh, Fofana, voilà pourquoi je l'ai mis dans ce match. Je sentais qu'on allait avoir besoin de sa force. Al-Swaim qui va lancer Cristiano. Cristiano, Cristiano. Bien, bien, bien. On obtient un corner. C'est bien, les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Cristiano. Allez, si on peut faire le break. Sultan. Oh, oh, la para du gardien sur cette tête de Cristiano. Allez, Sultan, la même, la même. Oh là 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 là. On n'est pas passé loin du deuxième. Hein. Allez, on approche de la mi-temps. Toujours 1-0. Il nous manque ce deuxième but. Alléluia. Alléluia. Et le doublé de CR7. Magnifique, Balogun. Oh, attends, c'est lui qui a fait les deux? C'est heureusement que j'ai mis Balogun. Deux passes décisives. Deux passes décisives pour l'instant. Balogun qui nous régale. Incroyable. Talisca, c'est peut-être pas fini. Talisca, dommage. Il a pas. Il voulait pas la lâcher. Il voulait pas la lâcher. Mais pour l'instant, voilà, on fait le travail, on fait le break juste avant la mi-temps pour espérer pas en prendre un. Salem qui part droit au but. Oh là 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 là. Restez en place. Restez en place, les amis. Restez en place, les gars. C'est bon, on mène, on peut contrôler le match. Ce que vous faites est parfait. Continue comme ça. Allez, on va aller chercher cette finale. On va aller la chercher, cette qualif en finale. C'est propre. C'est très propre. Défensivement, c'est très très propre. On n'a pas été inquiété pour l'instant. Ronaldo.
C'est dégagé. Neymar. Oh là là, Neymar qui arrive pas à trouver ses partenaires. Ronaldo pour crucifier. Oui, le triplé historique en demi-finale face à Al Hilal. Oui, monsieur. Le triplé de CR7. Oh là 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 là. Là on peut souffler, on peut faire les changements. On peut. Oh là là, il manque 10 minutes. 88e. Et on va faire le changement pour la standing ovation. Staging ovation pour CR7 qui a mis un triplé en demi-finale. Ouh, j'allais dire quadruplé. Allez, on applaudit la sortie de CR7. Magnifique, quel match de l'ancien, du GOAT. Oh là là, incroyable. Neymar peut-être. Oh, Neymar qui lui aussi a failli marquer son petit but. On va le faire, les amis. On va aller la décrocher cette finale, bordel. On va aller la décrocher cette finale de Ligue des Champions d'Asie. Allez, il manque 1 minute. 1 minute, les amis. Tambakti, ça joue derrière. Ah, on est en place, on était trop en place dans ce match pour eux. Tambakti, long dégagement, Kassem, Laporte, Al-Swaim, Al-Kabari, Talisca, Sami. Voilà, conservation du ballon impeccable. Voilà. Ah, dommage. On y va, on va la jouer cette finale, on va la gagner. Bravo à tous. Bravo à tous. Et on jouera face à Ulsan. Victoire d'Al Nassr. Match retour gagnant. Le succès au centre de l'attention. 54, 250. Ulsan en finale. Et ça se joue où? Mais non. Ah, j'allais dire, c'est chez nous en plus. King Fahd International Stadium. Nous, c'est quoi? King Saud University Stadium. Ok, c'est le stade en fait de. Mais ça joue en Arabie Saoudite. Donc, on connaît bien. Ça, c'est le stade de Al Hilal. Incroyable. On jouera contre Ulsan Hyundai Club coréen. Ok. Igalo, oui, effectivement. Adam. Lui, il n'était pas en Angleterre, lui? Non, je dis des conneries, je jouais toujours en Hongrie, mais ça me parle. Adam, on a qui d'autre? Louixon, suédois, qui a joué en Suède. Mais bon, la star, je pense que c'est quand même Igalo, hein, passé par Manchester, Watford, Grenade. Mais je pense que tout le monde se souvient de lui à Watford et surtout à Watford, ouais. Ok, bon, l'adversaire est connu, très très content, on jouera la finale. Ah ouais, du coup, avec ce triplé, Ronaldo, attends. On avait dit qu'à quelques buts, il pouvait. Je pense que. Attends. On va aller voir les meilleurs buteurs de la LDC. Calendrier. Calendrier. Du coup, avec ce triplé, est-ce qu'il serait pas. Oh, il a un but d'être le meilleur buteur. Un but d'être le meilleur buteur. Il y a Adam, Siat, il faudra se méfier de ce joueur, l'attaquant de justement d'Ulsan. Et passe décisive, Talisca, meilleur passeur actuellement. Putain, on peut battre tous les records. On peut battre tous les records. Et ça sera quand, les amis? Ça sera. Ah! Match aller, match retour? Ah, c'est match aller, match retour. Ok. Ok, bon bah écoute, je pensais que c'était final. Bon, les amis, on aura donc un épisode spécial. On fera la finale de Ligue des Champions et on fera la finale, bien sûr, de la King Cup. C'est le seul trophée qu'on n'a pas encore.
Donc, épisode final, on se retrouve pour la finale de LDC et la fin, le dernier épisode de FM23, les amis, ça sera le dernier. Et on fera donc après un bilan de cette saison, de ce FM23, et on fera après un petit aperçu de ce qui nous attendra pour FM24, ce que je vais vous préparer, mais on fera un bilan final. Donc les amis, à ne pas louper l'épisode final de cette magnifique carrière et de cette FM23 qui nous a fait vibrer dans les diverses carrières qu'on a eues. Donc les amis, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner comme d'hab pour m'aider et m'encourager. Et rendez-vous pour l'épisode final. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous pour l'épisode final. Ciao, ciao les gars.